אמן חזק וברוך וברוך מפי עליון בעזרת השם יתברך, רפואה שלמה, החלמה מהירה, כל הפצועים, כל חולי ישראל בעזרת השם, רבי שלמה, בנזירה, החלמה מהירה, הילדה הנעימה בעזרת השם, שרה בת חנה, צרפתי, מתמי, כל עם ישראל. ירפון על החופה, לחתן מדי כוח, שפה סורטיר דארץ ישראל, סון לאוטוריזציון דמפם, ג'י נכון, על זה אתה גם. ועלי שבא, אסור לצאת מארץ ישראל ללא רשותו, מגבולות. Je suis pas que d'Israël. À ce moment, tu es dans un pays et que tu te maries avec cette femme, tu peux pas sortir sans son approbation. Mais en ce qui concerne Israël, je lui ai dit, mais même sans ta femme, אסור לצאת מארץ ישראל. וזה מובא ברוך השם בשולחן ערוך, אורח חיים סימן תף קוף למד אלף, סעיף דלת, משנה ברורה, פרי. לכן בעזרת השם, יש בזה עניין. Est-ce qu'on a le droit ou pas de sortir d'Eretz Israël pour les choufcha? Il y en a qui veulent aller en Grèce, il y en a qui veulent aller à Chypre, il y en a qui veulent aller à droite et à gauche. Aïmoutar, Ken, Olo, Latzet. À Tchouva, on va voir plusieurs réponses ici qui nous sont données par rapport à ça. Alors la réponse, Chad Mashmaï, c'est-à-dire qu'on a le droit de sortir pour trois raisons réellement. Trois raisons qui sont pour la Parnassa, mais pas pour aller vivre là-bas, comme font plein de gens. Je quitte Israël parce que je n'ai pas de Parnassa ici, je retourne à droite ou à gauche. Zasso, retourne. Lama Olim Bakdusha Velo Yurdim, on peut partir d'Israël avec une date de retour. C'est-à-dire, je pars pour une mission de récupérer de l'argent pendant un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Aval, Altnai, Shani, Choser. Et non pas, je m'installe à Los Angeles pour la Parnassa. Bah, sauf que je suis bien ici et je reste. Cette Barim Shemassouri, on a vu Eli Meller. Comment ça s'est passé pour lui? Il y avait la famine en Israël, dans le livre de route. Il est parti sans date de retour. Bah, sauf qu'il est mort là-bas, lui et ses enfants sont morts là-bas. Sauf Lama. Olim Bakdusha, Velo Yordim. Donc si tu dois partir pour la Parnassa, tu as le droit. Chercher une Kala, pas tu vas la chercher et tu t'installes, tu vas la chercher et tu reviens. Pour apprendre la Torah, tu as un Tamit Chacham, tu vas et tu reviens. Ceci étant, Mikom Makom, Imoto Adam Zakouk Me'od Eleminucha Nafshit Nachon Veivrour. Cette personne est en dépression, cette personne a besoin de sortir du pays, il a eu trop d'épreuves. Israël nettoie la personne de toutes ses fautes. Tu arrives en Israël, c'est une machine à laver. Pourquoi? Leolam Yirsho Aretz, tout celui qui vient en Israël, ben Olam Abba, car me vient Agmara, Masechet Ketubot, Kuf Yudalef, Shekol Olech Ba'arba, Arba Mot Beretz Israël, Muftah Lushu Ben Olam Abba. Tu ne fais que quatre pas en Israël, Muftah Lushu Ben Olam Abba. Et la reine, si par contre, la raison pour laquelle il y va, c'est parce que Bemet, il en a besoin comme un médicament de changer un peu d'air, Machinikra, alors dans ce cas-là, ce serait permis. Mais il rajoute autre chose. Umaya Ase Kedelekem Mitzvah, c'est-à-dire que quand il est en route, l'arrête, par exemple, il va, je ne sais pas moi, en Haute-Savoie ou il va dans un pays quelconque, par exemple sur la Grèce, il voit des beaux paysages, il vient pour louer Hachem de sa création. En ce cas-là, il aurait le droit, kiffin, ça veut dire vraiment, ok, j'y vais, j'avais besoin de sortir, Baruch Hachem regarde ce que Dieu il a créé. Il vient les Shabbat et Hachem, c'est moutard. Alors, moi, si on va poser plein de questions déjà, est-ce que je peux aller voir mes parents, Khoutzlaret, est-ce que je peux avoir une personne qui est malade, est-ce que je peux aller une bar mitzvah? Badaï, tu fais un aller-retour. Ayom, Zeken, moutard. Mais regardez ce que dit le Rambam, le Meiri et le Ramban par rapport à cela. Alors, le Rajbam, d'abord, dans Baba Batra, Bedaf, Tzadi, Aleph, Amoud, Aleph, il dit Mishum, Shemavkia et Tatsmo, Mikim, Mitzvot, Atluyot, Baaretz. Le Rajbam, il dit qu'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas sortir, c'est que 80% des mitzvot, comme le dit le Rambam lui-même, dépend d'Eretz Israël, et qu'à partir du moment où tu sors d'Eretz Israël, c'est comme si tu sors d'un Sefer Torah. C'est-à-dire, Atam Afkia et ta mitzvot, c'est-à-dire, Rova mitzvot, Louim d'Eretz Israël. Elles sont dépendantes d'Eretz Israël, et c'est comme si tu quittais pour cela. Ça, c'est la raison du Rajbam. On va voir maintenant le Ramban, qui lui, il est monnaie et mitzvot yeshuv eretz Israël dans les tariag mitzvot. Il dit que tout comme les autres mettent tefillin, il y a une mitzvah de vivre en Israël. C'est le Ramban, Ranachmanide. Mishum bitum mitzvot yeshuv eretz Israël, comme on va même sefer Bamidbar, chapitre 23, verset 53. Mais la reine, yashav temba, atam vetel mitzvot asedoraita, pour le Ramban. Lui, bien, kachem, posek. Mishum shestam chutz laretz, en chokma viratret. Et là, Rabbeinu Ameiri, Maset Kudov, Ktubot, à la page sonde d'Amud Alef, il dit tout simplement chez Koladar, Bechutz Laretz, Kilur, Vedavodazara. En Chokma, Bechutz Laretz. En Chokma, Shama Bichlal. Ven Iratchet, Bechutz Laretz. Il n'y a pas de crainte du ciel en Chutz Laretz. Il n'y a pas de Chokma. Comme c'est marqué, Gil, Uba,
Kol Oavea. Où est-ce qu'on voit la joie? Ve'aya ki tavo al haaretz be'eretz Israël. Chokhma eretz Israël markim et ha'adam. La terre d'Eretz Israël rend l'homme intelligent. Omer ech ata yachol la redet. Et ça, c'est le Meiri. Vous pouvez le vérifier vous-même dans Maseret Ketubot, qui dit Assur la tzet stam blisiba de la terre d'Eretz Israël, du fait qu'il n'y a pas de chokhma chutz la'aretz ve'ein ratchet b'ktsuim ba. Et la règle b'eretz Israël c'est stam eretz Israël chokhma v'ratchet mitzuin ba. Et si tu veux respecter Akadosh Baruch Hu, il faut vivre davka en Eretz Israël, comme il explique là-bas, Ayen Sham. Comme explique le Meiri, donc Toubot Kufiud Alef, toujours pareil, que celui qui veut retrouver Hachem, c'est en Eretz Israël. Et la raison pour laquelle c'est très difficile ici, c'est pas que c'est très difficile, c'est parce que justement, il faut avoir le srout de monter en Eretz Israël, Zacha le Eretz Israël, comme on a vu Moshe Rabbeinu, Shenilcham bechol kochotav 515 tefilot, 515 prières pour vivre en Israël. Comme vous le savez tous, Eretz Israël, comme c'est marqué dans Maseret Kelim, ken, que et Mekudeshet, ça veut dire que c'est comme un mariage. Le but c'est pas de se marier avec la terre, c'est d'y rester, et le but c'est pas d'y rester, c'est de s'épanouir. Et la reine, faut beaucoup de patience quand on monte en Israël. D'où l'importance de mettre deux choses importantes dans ses bagages, l'humilité et d'accepter l'idée de redémarrer à zéro dans tout. Chose qui n'est pas facile. Et une fois qu'on a passé le cap des souffrances, Bezrat Hashem, Zochim Lekar. La reine, c'est une des raisons que le Rabbi Lubavitch avait donné pourquoi il ne monte pas en Israël. Il a dit parce que si je monte en Israël, je ne pourrai pas ressortir. Pour repartir. Comme ça avait expliqué le Rabbi. Quoi Olim Bagdusha, Velo Yordim. Baruch Adonel, Olam Amen.